nous sommes donc à l'issue de cette 11e édition du Forum MedDays. Quel bilan pouvez-vous en tirer, peut-être quelques minutes après, donc de ces 4 jours d'échanges et de rencontres? Écoutez, à l'issue de cette conférence, je dois tout d'abord me réjouir du succès de cette 11e édition qui confirme que le Forum MedDays est définitivement installé dans l'agenda international des grandes conférences, mais j'aimerais dire aussi l'agenda africain. Permettez-moi l'expression, le Forum MedDays est pour l'ensemble des participants devenu le Davos africain. Nous avons toujours voulu dans notre ADN promouvoir la coopération Sud-Sud. Aujourd'hui, lorsqu'on voit que près de 40 pays africains sur 70 pays au total étaient présents ici à Tanger, c'est évidemment un élément de satisfaction et je ne peux que m'en réjouir. Depuis 18 mois, vous vous penchez sur la question donc, de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Vous avez organisé à ce titre-là différentes rencontres dans les pays donc, d'Afrique de l'Ouest. Sans vous substituer bien sûr à la diplomatie, quelle est la position donc, que le Maroc adopte par rapport à cette adhésion? Le Maroc a exprimé sa volonté d'adhérer à la CEDEAO en février 2017. Le Maroc a reçu un accord de principe du sommet des chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO en juin 2017. Aujourd'hui, le Maroc, évidemment, est dans l'attente du cadre de négociation qui doit être arrêté par la commission de la CEDEAO suite au sommet d'Abuja et cette instruction du sommet à la commission afin de définir les paramètres de négociation permettant une adhésion. Je crois aussi qu'il était utile, notamment à travers les différentes conférences que nous avons organisées au début de l'année dans plusieurs pays membres de la CEDEAO, d'assainir le débat, de l'apaiser, de comprendre certaines réticences, parce qu'il est évident, et c'est dans tout pareil cas, qu'une adhésion d'un pays considéré comme une puissance continentale au sein d'une organisation elle-même considérée comme une référence en termes d'intégration, il est tout à fait naturel qu'il y ait des questionnements, des interrogations. Et notre objectif à travers les événements organisés en Afrique de l'Ouest était de permettre cette interaction, d'expliquer la démarche marocaine, mais aussi d'insister sur le fait que le Maroc n'est pas quémandeur. Le Maroc insère sa volonté d'adhésion dans une démarche qui lui est propre. Cette démarche, c'est la vision de Sa Majesté en Afrique de l'Ouest à travers la présence marocaine qui s'intensifie depuis une quinzaine d'années, qui fait du Maroc le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest, qui fait du Maroc le premier pays signataire d'accords bilatéraux avec les États membres de la CEDEAO. Ce n'est pas rien. Donc l'objectif du Maroc, in fine, c'est d'institutionnaliser cette relation parce qu'il est de facto membre de la communauté ouest-africaine. Justement, vous avez parlé des réticences que certains pays pouvaient avoir à cette adhésion. Et peut-être aussi, également, on a entendu des agriculteurs avoir peur de l'inondation, peut-être, donc des produits marocains sur le marché actuel. Que pouvez-vous répondre à leur peur, peut-être illégitime? Écoutez, il est, je l'ai dit, tout à fait légitime d'avoir des inquiétudes. Le Maroc lui-même, quand il a négocié cet accord de libre-échange avec les États-Unis, il y avait des inquiétudes, des interrogations, et c'est tout à fait naturel, comme en tout Pairaïka. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus surestimer la puissance économique du Maroc. Le Maroc est certes une puissance continentale, mais ce n'est pas la Chine et ce n'est pas la Turquie pour le moment. J'espère qu'un jour le Maroc pourra prétendre à ce statut. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus se tromper de débat. Aujourd'hui, la zone de libre-échange continentale, à mon avis, traite la question, voire même la conclut, parce que, in fine, avec ou sans le Maroc dans la CEDEAO, le Maroc avec les pays membres de cette communauté seront liés par un accord de libre-échange à travers la zone de libre-échange continentale africaine. Donc, je crois qu'il faut plutôt se concentrer sur d'autres sujets afin de faire avancer les négociations, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a un consensus sur la légitimité de cette demande. Il faut profiter de ce momentum. De toutes les façons, l'objectif, c'est de permettre une co-convergence du Maroc vers la CEDEAO, mais aussi
de la CEDEAO vers les acquis et les spécificités du royaume. Et ça sera ce qui devra être attendu de la part des négociateurs, de la diplomatie marocaine et de ses homologues d'Afrique de l'Ouest. Notre rôle étant d'être facilitateur, et je ne peux que me réjouir des discussions que nous avons eues ici à Tanger et de ce consensus autour de la nécessité que le Maroc puisse contribuer à parfaire l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, certes, une des communautés les plus intégrées du continent, mais elle reste quand même à parfaire en termes d'intégration sur bon nombre de domaines. Et le Maroc peut apporter son expertise, notamment en matière agricole, d'investissement, de sécurité, et j'en passe. Les innovations, c'est in fine continuer dans cette spécificité du forum, c'est-à-dire permettre cette interaction permanente entre pays africains, pays européens, pays d'Amérique latine, pays d'Amérique du Nord, d'Asie. Cette interaction entre leaders politiques, sociétés civiles, experts, membres de la communauté d'affaires, mais aussi les étudiants. Nous avons reçu sur les 4 jours près de 3500 participants, dont 2000 étudiants. Et le forum MedDays est le seul forum, à ma connaissance, en Afrique et dans le monde arabe, qui permet cette interaction, qui assume totalement sa vocation pédagogique, ce qui permet aussi de challenger les leaders politiques. Et je m'en félicite. Pour la première fois en 11 éditions, vous avez décidé de mettre au programme l'art et le design comme moyen peut-être disruptif. Pourquoi avez-vous décidé de mettre un focus particulier sur ce pan de la culture que l'on sait moyen de développement? Pour une raison évidente, aujourd'hui, la thématique du forum MedDays était construite autour de la thématique du mot disruption. Je crois que l'art africain est en train d'émerger sous une forme disruptive. De plus en plus d'artistes du continent sont reconnus pour leur talent, et il nous paraissait utile de pouvoir promouvoir cet art africain qui est de plus en plus prisé et qui est de plus en plus demandé à travers une session consacrée à cette question. C'est une nouveauté, et il est aussi intéressant de pouvoir, dans un cadre non officiel certes, mais qui discute de sujets prioritaires de l'agenda international, de pouvoir aussi promouvoir des thématiques qui nous concernent en tant qu'Africains et qui sont importantes, et qui sont des thématiques où l'Afrique réussit. Et il est aussi important de mettre en lumière cette Afrique loin des clichés, cette Afrique novatrice, cette Afrique positive, et c'est aussi le rôle du Forum MedDays. Quel est le message pour l'année prochaine? Écoutez, on conclut tout juste. Moi, je me félicite une fois encore du succès de cet événement. Je tiens à remercier la chaîne Vox Africa pour sa fidélité et pour l'amitié qu'elle fait au Forum MedDays et à l'Institut Amadeus. Nous avons toujours voulu transmettre les messages en faveur du continent, et je crois que des chaînes telles que les vôtres permettent cette transmission et rejoignent in fine les actions que nous menons. Merci beaucoup.